celle-là, c'est ma préférée. Elle fait briller les yeux. Vraiment ? C'est moitié prix si t'en prends deux. Waouh ! Encore toi ? C'est ta boutique ? Non, c'est à mon père. Combien ? 800 roupies, s'il te plaît. 800 roupies ? Ok, ok. Pour toi, 550. Incroyable. Alors, ton père te laisse souvent seul ? Non, il est parti combattre les rebelles. Ah. C'est l'armée indienne qui l'a enrôlé, hein ? Non, il était volontaire. Vraiment. Eh bien, si j'étais ta mère, je ne te laisserais pas seule ici. Bon, en voilà 300. J'ai une meilleure offre. 400 roupies plus ganache. Ah, t'es sûre ? Il est cassé, regarde. Tu ne connais pas l'histoire ? Ganesh s'est battu contre Parashurama alors qu'il gardait la porte de son père. Oui, pour défendre l'honneur de son père Shiva. Et il s'est fait couper la défense dans la bagarre. Intéressant. Mais bon, il n'est pas à vendre. Il a l'heure. Bon alors, 600 roupies, garde-monnaie. Il te faut un guide. Ah, et ça me coûtera combien? Oh, faut que je monte dans ce camion avant qu'il s'en aille. Bon, ton ganache, tu en veux combien, dis-moi ? Il est pas à vendre. Excusez-moi. Quoi ? C'était pas mal. T'as un bon coup de poignet. Mais rends-moi mon ganache, s'il te plaît. D'accord. Bien tenté, jeune fille. Les gens n'ont pas le droit de traverser le pont. C'est trop dangereux. Écoute, petite, on s'est bien amusé. Mais il faut que tu me laisses maintenant. J'ai un lit de libre dans la boutique. 300 roupies. C'est le meilleur prix de toute l'Inde. Merci, mais non merci. Je dois monter dans ce camion. Mauvaise idée. Les rebelles, ils font du mal aux gens. Écoute, je dois aller aider mon ami, ok ? Écoute ça. À mon retour, je t'offre une pizza. D'accord ? Ok. Bien. Merde ! Oh, fais chier ! Monsieur ! Attends ! Monsieur ! Non. C'est mon papa. On mangeait une glace et je l'ai perdue. Je peux pas rentrer sans lui. Ça va, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il se tenait juste là.
Ok, une porte rouge. C'est ça? C'est mieux que rien. Et voilà. C'est juste une zone de guerre active. Rien de vraiment bien méchant. Qu'est-ce qu'il faut encore là? Fuyez pendant qu'il est encore temps. Allez, on y va! Il est là! Qu'est-ce que vous faites? Dehors, dehors, bouge! Merde! Arrête! J'ai rien fait du tout! Saloperie d'espion. Quoi? Non! La ferme! Allez, mets-toi! Vous faites une erreur! Je le jure! Je t'ai dit de monter! Tout de suite! Je crois que j'ai pas le choix. Si, bouge. Tu le... Oui, chef. Toi, avec moi. Hé, hey, doucement! Quelle urgence? Qui me dit que t'as pas quelque chose d'illégal sur toi? Lève les bras. Hé! Hey. C'est dangereux de se promener toute seule. Hé! Hey. T'habites où? T'es sourde? Réponds-lui! Je t'ai demandé où t'habitais. Arafta. Quoi, putain, je suis occupé! Je m'en contrefiche. Oui, chef. Rejoignez-moi vite. Compris. Toi, suis-moi. Mitrailleuse. Chef, et pour elle. Laisse-la passer. T'as entendu? File. Heureusement pour eux que j'ai autre chose à faire. C'est bon. Tu veux? Je fume pas. Toi, tu sers à rien. J'en veux pas si je peux. J'ai hâte. J'en veux plus de ces gens. Non, à Savadi, une semaine. Encore une semaine dans ce putain de toit. N'oublie pas l'objectif final. Oh, merde. Toujours la bouteille d'arak à la noix de coco. Peut-être bien. Qu'est-ce que tu me dis?
Pink Lotus. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une grande victoire. Elles ont rien vu venir. Depuis qu'il chasse des artefacts partout en main. J'ai hâte de me battre pour de vrai. Cet endroit est merdique. C'est vrai. C'était un bastion stratégique. On a fait le bon choix, camarade. Quand est-ce qu'on va se battre contre les tyrans ? Asaf dit qu'il lui faut du temps pour se préparer. Le gouvernement ne prend pas au sérieux. Ça va plus durer très longtemps. C'est bon. C'est pas vrai. L'armée indienne fait pas les choses à moitié. Clotus, j'imaginais autre chose. On dit qu'il y a au moins deux cibles. L'entrepôt et une autre. T'as mal choisi ton endroit, ma belle. Quoi ce bordel ? Maintenant je te tiens. T'es en retard, Fraser. Invite te voir aussi. Soyez professionnel. Oh, tu devrais te détendre. Tu vivras plus longtemps. Me détendre ? Ça m'a pris des semaines pour pister Asav. Y a pas plus imprévisible que lui. Encore un seigneur de guerre qui n'a plus de guerre. Tu le connais pas comme je le connais. Il change de lieu et d'organisation toutes les heures. On peut pas se permettre de prendre ce genre de risque. On ? Je vais être très claire. C'est moi l'experte. Si tu veux ta part, on va faire ce que je dis. Alors, tu te décides ?
c'est le barbu. J'aime mieux ça. Il est pas mal. Si t'aimes les psychopathes. Personne n'est parfait. Où est leur base? Balcon, dernier étage. Je vois. On y va. J'avais planifié un itinéraire dans les rues, mais ils vont nous chercher maintenant. Tu suggères quoi? Je vais trouver une solution. Souris à sa... Suis-moi. Je t'aide à monter. Et voilà. Si. C'était pas si compliqué. Qu'est-ce qu'il y a encore? Patience. Oh, je vais y aller vite. T'es sûr que ça va tenir? Non. Allez, par là! Tu réalises qu'on s'éloigne du repère d'Assav, non? Ouais, on fait un détour. Ouais, je comprends pourquoi t'es toujours en retard. Cobra 1, Cobra 5, à vous! Bien reçu, Cobra 1. Allez, on est dessus. Ça bouge par là-bas. Terminé. Pas trop mal. Bon, on va où maintenant? Ok. J'étudie juste nos options. Bouge pas. En tout cas, elle mérite bien sa réputation. Désolé. Et si on évitait les caisses à partir de maintenant? Ok, c'est bien. Justement. Ah, merde. Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Fourniture de bureau gratuite, si tu veux. Un problème de moins.
juste au-dessus de nous. Tu vois, c'était pas si compliqué. Quoi, c'est vrai. Ça prendra qu'un moment. En voilà un. Ça marche aussi. Trouvons le disque. Merci infiniment. Tu surveilles nos arrières ? Ouais. La vache. On se croira chez un antiquaire. Il n'a pas perdu son temps. Il y en a pour combien, d'après toi ? Assez pour que sa petite insurrection tienne un moment. Empruntez ça. Fraser, viens voir. Tu crois qu'il est là ? C'est fermé. Pas pour longtemps. C'était quoi cette carte ? Les Ghats occidentaux, territoire des Rissala. Oh, merde ! Non, tout va bien. Rien qu'on sache déjà. Merde ! Nadine Ross. Quelle bonne surprise. Attention, camarade. Ce tigre a des griffes. Asav. Après toutes ces années, tu n'as pas pris une ride. Pas une. Trop aimable. Tu cherches du travail ? Il paraît que tu as perdu la direction de Shoreline. Un léger contretemps. Rien d'insurmontable. Bien sûr, bien sûr. C'est dommage. Mon équipe aurait besoin d'une personne de ta trempe. Qu'est-ce qui t'amène ? Et ça, c'est pas ton domaine d'habitude. Je dois dire que vous avez une très belle collection. Chloé Fraser, collectionneuse d'antiquités. Une voleuse. Tu travailles pour une voleuse. Monsieur, il y a un problème. Monsieur, le Pink Lotus. Quoi ? Quelqu'un a décimé notre équipe. À vous. J'arrive tout de suite. Le disque. Ah oui, puisque on en parle. Au début, j'ai cru que vous étiez un rebelle ordinaire. Oh. Mais vous avez réussi à mettre la main sur l'Empire Oysala. C'est pas mal. Mais leur plus grand trésor, la défense de Ganesh, ça sera pas aussi facile. Qu'est-ce que tu fais ? 3 invasions perses, 3 guerres différentes, et après toutes ces années, personne ne l'a trouvé. On approche. Vous êtes perdu. Et désormais, votre seule chance de commencer à réduire la zone de recherche, c'est de trouver quelqu'un qui peut vous aider à décoder cet artefact. Quelqu'un qui connaîtrait à fond la civilisation Oysala. Exactement. Un expert de leur culture et de leur histoire. Mes prix sont raisonnables. Un parasite qui exploite nos efforts dans le but de se remplir les poches. Ça veut dire non ?
Vous avez du cran, ça me plaît. Mais j'ai déjà assez de soi-disant experts. Tuez-les, jetez les corps dans la rivière. Inutile. On trouvera la sortie. Arrêtez-les! Brutal, mais efficace. T'as voulu me doubler, c'est ça? Ça s'appelle de l'improvisation. Et c'est moi qui suis pas professionnelle? Qu'est-ce que tu sous-entends? Que t'as laissé à Sav nous prendre par surprise. Je me demande si tu vaux vraiment tes 50%. Je le savais. T'étais prête à me laisser tomber. Voleuse un jour, voleuse toujours. Tu ne sais rien. À propos de moi, je te préviens. Le dernier qui m'a trahi a pris une balle. Voilà la rivière. Ouais. J'espère que ton ami est là. Merde! Faut pas traîner ici! Donc, c'est dangereux. Stop! Oh non! Je te tiens. Merci. Allez. Prends le disque. Ouais. Avance. Attention. Oh, pour l'amour du ciel. Tiens, prends ça. Comment ça se passe? Tout roule. On devrait arriver dans une heure. Parfait. La défense de Ganesh. Pas étonnant qu'ils aient pillé la capitale Yol-Sala. Regarde-moi ça. On a une chance? J'ai pas besoin de chance. On va avoir besoin de toute la chance possible. Tu t'inquiètes encore du soi-disant expert d'Assav? T'en fais pas. Si Assav est pas déjà au Ghat, il doit déjà être sur nos talons. Il a des armes. Du matériel et des centaines d'hommes. Je te le redis. C'est pas un problème. On dirait un genre de clé. Possible. Voyons ça. Alors. Le trident était l'arme de Ganesh. L'arc et la flèche. Était à Parajurama. Et la hache, un cadeau.
grande bataille. Quoi ? La grande bataille où Ganesh a perdu sa défense. Je te parie que si on trouve ces symboles, on trouve la défense. Pas mal, Fraser. Ouais, en fait... Faut remercier mon père. Les mythes hindous, c'était sa passion. Il te l'a transmise ? Il doit être fier. Il fait presque jour. Je vais me préparer. Beau travail. Une sacrée marche pour une simple vérif. Disons que c'est juste pour me rassurer. Bon. La vue est sympa. Et regarde. Comme c'est bizarre. Pardon d'avoir douté de toi, Chloé. C'est Ossala ? Oï, Sala. Ça date pas d'hier, alors je dirais qu'on est sur la bonne piste. Quoi ? J'aime pas ça. C'est parce que t'aimes rien. Non ! On a fait presque 100 km et aucun signe d'Assav. Vois le bon côté, on a peut-être fini par le semer. Ça m'étonnerait. Je trouve la défense, tu t'occupes d'Assav. Compris. On se retrouve à la voiture ? Ouais. Quel paysage incroyable. Je vais bien, en fait, hein. Et là... Ok. T'es toujours là-dessous ? Ouais. Toujours là. Ok, il est juste en lecture. Tiens, donne-moi ta main. Sors, t'inquiète. Ok. Tu veux que je conduise ? Non. Ça me dérange pas. Moi, si. J'aime bien avoir le contrôle. C'est clair. Oh, et si on profitait un peu de ce havre de paix ? J'ai une question bête. Une prochaine fois. Comment tu sais que la défense est toujours là ? Elle se serait retrouvée dans un musée depuis le temps, non ? En plus, j'ai vu aucune expo sur les Oïsala. Je n'ai jamais entendu parler des Oïsala avant ce moment. En fait, c'est la faute de leur dernier roi. Un type jeune et insouciant qui a dilapidé les richesses de son empire. Il a bâti une nouvelle capitale pour abriter la défense. Ensuite, il a mené les Perses propres de la ville. Juste une seconde. Je peux attendre. Hé, hey, regarde ça, une réunion de flamants roses. Le rose, c'est pas ma couleur, mais ça leur va bien. Tu sais, c'est la nourriture qu'ils mangent qui les rend roses. S'ils changeaient de régime, ils seraient blancs. Quoi ? Et tu sais ça comment, toi ? Comme ça. Ah !
me faire rafraîchir. Merci. T'aurais pu me prévenir. Oh, t'es pas marrante. Alors, ça fait du bien de sortir un peu, non? Loin de la ville. C'est plus calme. Tu reviens souvent ici? Non, pas vraiment. Attention, toi, ralentis. Regarde un peu ça. Des ruines, Oysala. On peut passer cette porte? Je vais aller voir. L'ancienne capitale. Qu'est-ce qu'on a? Alibidou et Bellour. Je croyais que c'était Ganesh et Shiva. Hmm, bah je vois que tu m'écoutes. Ganesh était le gardien d'Alibidou, la toute nouvelle capitale d'Oysala. Shiva était le gardien de Bellour, l'ancienne capitale. Ces sculptures sont bien jolies, mais pas vraiment une défense efficace. Le quartier des sculpteurs, je dirais plutôt. On est encore à la périphérie. Je savais pas que t'étais archéologue. L'archéologue, c'était plutôt mon père. Je suis qu'une voleuse, tu te rappelles? Hey. Y a pas un treuil sur la voiture? On dirait bien. Super. Ça devrait suffire pour cette porte. T'as l'intention de l'arracher? Exactement. Quoi, t'as de la dynamite? C'est toi l'experte. Je prends ça pour un nom. Bon, ça devrait faire l'affaire. C'est une embuscade. Merde, baisse-toi. Merci pour le coup. Ok, c'est fini. Ce mur a l'air fragile. T'étais sur le point d'abaisser une vieille porte. Hey. Et voilà le travail. C'est bien silencieuse. Je suis juste surprise, c'est tout. J'aurais imaginé du genre plus discrète en matière de ruines indiennes. Dans ce genre de métier, sensiblerie. Quoi? C'est juste de gros rongeurs volants. Techniquement, pas vraiment. Ouais, c'est ça. Elles sont plus proches des primates et des lémuriens. Ok, je vérifierai. Et voilà le travail. Je suis passée. T'as de bons yeux. Merde. Il a tout un bataillon avec lui. Et il y en a peut-être encore à l'intérieur. Je trouve ça flatteur qu'ils nous prennent tant au sérieux. Il faut qu'on passe cette porte. Chaque chose en son temps. Il faut d'abord qu'on s'occupe de tous ces cœurs. T'as un plan? Ouais. Bien sûr. Alors reste au moins.
Signe de vie. Et toi? Rien dans mon secteur. Allez là-bas, cherche ici. Fais attention. C'est si compliqué de trouver deux femmes. Je les ai trouvés! Voilà le travail. Et toi? RAS! Je vérifie ici. Allez voir là-bas. Ok. Rien par ici. Et toi? Dégage. Allez là-bas. Cherche ici. Bien sûr.
Vous avez quelque chose? J'ai rien trouvé. Pareil, rien. Ils ont failli. Cherchez là-bas, je vais regarder ici. Pas de problème. Retournez. Allez. Vous les voyez? Non, rien. Oh merde! Non! Je vais te le faire regretter! Ça y est, c'est du beau travail. Bien joué. Merci pour ton aide. Allez, on continue. Capable de conduire, tu sais. J'en doute pas, ma belle, mais je préfère que ce soit moi. Waouh. On n'est pas sortis de l'auberge. C'est vrai, mais on a un avantage, pas comme ton copain Asav. Les trois symboles. Regardons la carte.